Fok nous dit Bouygues Tapkoui depuis matin, dit confirmé. La police, Radio Kiskeya a pris contact avec la police, confirmé, autorité dans le pays Jamaïque. Là. Et Jamaïque a arrêté jeudi samedi 15 janvier, ancien sénateur département l'Ouest, John Joel Joseph, qui était sauvé. Et donc, c'est l'arrestation qui fait nous connaître qui côté le théier. Et c'était dans Jamaïque, ça fait deuxième monde qui prend refuge Jamaïque. Il a arrêté dans quatre dossiers assassinat et Jovenel Moïse n'a pas oublié Palacios. Et nous pouvons gagner aucune information dans le moment où on a parlé là, si des démarches autorités haïtiennes entreprendre et pour yon a fait Jamaïque extradé et ancien sénateur l'Ouest pour t'avoyer le venir en Haïti ou bien est-ce que la prend route États-Unis. Même gens avec deux lots moun yo arrêté dans jour ça yo dans dossier ça ancien militaire colombien Palacios et puis Rudolf Jar qui c'est yo qui était impliqué dans trafic drogue et qui était un agent tout et américain dans DIA yo était arrêté lui-même en République dominicaine toujours dans même dossier assassinat Jovenel Moïse là. Et lui-même, il était demandé, c'est aux États-Unis pour ouvrir, ça qui est déjà fait dans ce semaine-là, il prend direction États-Unis. Et Palacios, pendant qu'il a parlé la Cali Colombie, FBI a été arrêté à l'aéroport international Panama, alors que Jamaïque, quand il a voyé la Cali, au lieu, il était voyé dans Haïti, Jean autorité haïtienne, pas faire gros bruit, mais laisser quoi, il a demandé ça. Et c'est toujours connu, est-ce que la convention Haïti signée, et convention et côté que les cas arrivé qu'a extradé et citoyen pays à tant que réciprocité si c'est un citoyen jamaïcain Haïti ka voye le ba Jamaïque si c'est un citoyen haïtien Jamaïque ka voye le ba Haïti donc nous pas connaît et pas gagné et trois gros et déclarations de gros engagement et dans l'état haïtien sous dossier ça qui pour t'a informé régulièrement et même leur chercher information ou pas qu'à joindre. Donc et dossier ça et faut que nous dit Kebe actualité à dans commencement année 2022 avec gros rebondissement dans presse américaine nan, et puis dans institution américaine notamment par exemple dans parlement américain nous connaît jeudi et gagné une loi qui votée dans Sénat mais qui gagné pour voter et dans chambre représentant pour capable promulguer sous dossier assassinat et Jovenel Moïse là qui exigeait pour département d'état c'est ministère affaires étrangères pays États-Unis mener une enquête et gonder les 3 mois pour le bail rapport bail parlement américain qui sont gros pouvoir et pour le bail rapport sous crime ça et pour connaître est-ce que gain ancien et employé qui t'a travaillé pour gouvernement américain qui impliqué dans crime ça d'après ça qui dit en substance et dans loi ça. Donc, il y a une réaction sous loi ça. Et par exemple, Office Protection Citoyenne, nous connaissons qui c'est une institution républicaine qui fait partie de nouvelle institution, Constitution 1987, la créée, qui supposait à défendre droit citoyen au PC. Eh bien, à la tête de qui c'est Renan Edouville, paraît une note pour saluer vote ça qui fait dans le Congrès américain en faveur enquête sur assassinat. Président Moïse, d'après sa note là, écrit et Office Protection Citoyen, qui sont institutions nationales et promotion et protection droit moun, dit saluer vote ça qui fait dans le Congrès américain en date 13 janvier 2022, qui ordonne le département d'État pour l'ouvrir une enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse et sous massacre qui était fait la Saline dans le mois de novembre 2018, qui était la cause plusieurs dizaines de moun te mouri. Et d'après ça, Office n'a rappelé. C'est une très bonne décision, étant donné crime non, c'est un crime qui dépasse les frontières et un assassinat qui fait sous le président Moïse. Non. Nous toujours appelé notre OPCA. Et puis avec tout gros et barrière qui vient camper devant enquête. Ça, et un juge instruction dans le pays d'Haïti a mené enquête là, d'après ça, le rappelé. OPC rappelé depuis le commencement mois d'août 2021, l'IT a affirmé Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, c'est lui-même qui était principal obstacle pour empêcher enquête l'arrivée dans Boutli.
information ça il dit journée jodia qui confirmé chaque jour plus dans sous plan international concernant Ariel Henry. C'est pour cette ça il dit entraide judiciaire internationale là chaque jour plus est nécessaire et lui-même indispensable dans cadre et enquête cap pénin sous crime qui fait sous ancien président. OPC souhaitait l'autre instance internationale yo capable prendre position claire dans dossier ça pour enquête l'embout sur assassinat et Jovenel président Jovenel Moïse là une façon pour capable combattre n'a cité impunité en Haïti face à un système la justice qui gagne en tête les conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ et qui pour plus fort au lieu li bay peuple haïtien victime yo justice nous toujours cité notre OPCA les dit CSPJ a de préférence qui ça l'a fait c'est protéger et puis blanchir criminel blanchir bandit à kidnapper la police a cherché donc protecteur citoyen Renan Edouville et qui tout profiter régler compte lui avec Ariel Henry ensemble avec CSPJ. Toujours concernant même dossier ça gain directeur exécutif RNDDH ta monsieur Pierre Espérance qui t'a réagi sur loi ça qui voté et bon lui expliquer nos mécanismes non alors que Sénat bail département d'état 3 mois pour faire un rapport et sous crime non et puis pour bail et explication qu'on est si des citoyens américains qui travaillent pour gouvernement américain qui impliqué dans crime non lui dit lui vient ajouter loi ça qui voté dans Sénat pourquoi voter dans chambre représentant qui donc chambre député a lui vient ajouter sur toute l'autre initiative législative qui déjà prend pendant année 2021 même en avant assassinat Jovenel Moïse dans chambre représentant d'après ça il précisé monsieur Espérance toujours et dans micro nous dans interview ça Radio Kiskeya je dis à expliquer loi ça l'a parlé bien sûr faire outil pour le passer dans chambre représentant pour voter et dans ça il a promulgué comme loi directeur exécutif NDDH là fait connait après arrestation Rudolf Jean qui était un trafiquant drogue d'ailleurs été arrêté dans pays États-Unis déjà pour question ça et il était venu informateur pour dire qui donc agent suivi rapporté qu'on est là il était arrêté dans République dominicaine en bas accusation impliqué dans crime qui fait toujours dans Moïse là il était demandé pour voyer aux États-Unis monsieur aux États-Unis il parlait tout de arrestation ancien militaire colombien Antonio Palacios et arrestation jodi ancien sénateur John Joel Joseph et qui nan main autorité la Jamaïque yo li espéré premier ministre gouvernement de facto n'a cité monsieur Pierre Espérance directeur exécutif NDDH là a contribué pour permettre aux joindre Félix Badio y a cherché pourquoi qu'a joindre dans dossier ça représenté comme véritable cerveau criminel en tant que directeur exécutif NDDH là monsieur Pierre Espérance dans micro dit droit par c'est un projet de loi qui voté dans la chambre représentant aux États-Unis dans mi-temps année 2021 mais là où t'es voté là pour qu'on assassinat Jovenel Moïse il voué dans Sénat et Sénat voté dit ça j'ai dit qu'il était 13 janvier 2022 il a ajouté enquête sur assassinat Jovenel Moïse loi ça qui voté dans Sénat, il a pris tout dans la chambre représentant pour être capable de voter. D'après ça, nous comprenons. Chambre représentant a belle priorité pour être capable de voter dans moi ça. Bon, c'est pas seulement enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, je m'en dis. Nous sommes capables de dire que c'est un projet loi qui fait radiographie gouvernance Jovenel Moïse. Côté que, il a parlé de massacre qui fait sous population et particulièrement la saline. Il a parlé de tout violation de droit monde, tant qu'il crée Jovenel te prend pour créer un nid, pour qu'il s'en déprenne, pour priver les populations des libertés. Il prend et question gang, corruption et blanchiment d'argent. Donc, Pénard, il passe l'ordre, c'est ordonné, ou il a utilisé dans le document pour les départements d'État, les fin mobiliser toute institution qui l'a pour ça, et bien, et l'autre est dans ramasser information et bah yo 90 jours pour produire un rapport dans sens ça rapport à chita sur tout ça nous autres dit yo dans quelles conditions Jovenel Moïse qui est assassiné est-ce que gagne monde citoyen américain ou bien institution américaine qui est concerné
Mais est-ce que nous avons dit, spécialement, on a parlé de dossier Jovenel Moïse, nous avons capable de dire États-Unis prêt dossier. Bon, oui, la justice haïtienne n'a pas de dossier dans le ou bien sûr, il n'y a pas de dossier dans le même j'en tout, la police judiciaire, il a campé enquête là, l'autre bail n'a plus au niveau pour enquête à faire pour conseiller des pistes qui n'ont pas exploré. Oui, depuis octobre 2021, la justice américaine, à travers FBI, a travaillé avec Palacios, pendant Palacios était en prison Jamaïque, eh bien, il a transféré sa et une dizaine de jours aux États-Unis. Semaine qui s'est passée, il a arrêté Rudolf Jean en République dominicaine, eh bien, il a transféré aux États-Unis. Je dis à la même, il y a John Joel Joseph qui n'a même autorité jamaïque. Donc, il y a en pile évolution dans le dossier. Nous espérons qu'Ariel a contribué pour permettre qu'il rejoigne Badjo, qui est un élément important dans le dossier et qui joue une protection, Ariel qui joue une protection la plus mature. Nous croyons qu'il faut le dossier à faire chez Meni, il faut enquête la faire chez Meni et nous-mêmes dans RNDDH. Même Jean nous dit, nous exigeons pour les gens qui touillent bâtonnier, mon frère Doval, pour arrêter, pour juger, pour payer pour ça. Les gens qui ont assassiné Diego Charles avec Marie-Antoinette Duclair. Moun qui assassiné moun dans quartier défavorisé yo, c'est 13 massacre nous joine et la trier, ah mais c'est même Jean Tour nous dit moun qui assassiné Jovenel Moïse yo, moun qui livré Jovenel Moïse et chef police qui était là, Léon Charles, Dimitri Ra et Civil Laguel, et mais avec évolution ça qui est dans dossier journée aujourd'hui que gè des moun qui sous territoire américain, nous espérer comme moun ça yo même pas de moun qui va demander l'argent pour tendre yo, donc c'est collaborer à collaborer, et mais espérer que les moun sa fin collaborer au finis États-Unis pour Haïti pour juger pour crime qui ont été fait et nous espérons tout avant longtemps à bon juge d'instruction qui sous dossier parce que juge là il fait pour le déporter il fait pour le saisir des dossiers. Le directeur exécutif de NDDH, monsieur Pierre Espérance, sous votre ça qui fait dans le Sénat américain jeudi soir. Toujours sous même votre nom, il a parlé dans le micro dit aux parents et ancien sénateur Niplan Nenel Kassi qui s'est un allié sous pouvoir avec Ariel Henry dans le cas d'application accord et accord en septembre nan, et fait qu'on ait une décision Congrès américain prend pour demander pour une enquête qui ouvre sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse là montrer que Haïti raté n'a pas cité une occasion pour faire démonstration il y a un système la justice qui capable répondre à préoccupation population. Dans l'interview sur Libéré du Kiskeya, jeudi, dirigeant secteur démocratique et populaire, SDP, ancien sénateur Nenel Kassi, déclaré, société a supposé prendre leçon concernant décision ça, et puis pour l'État, faire réforme judiciaire et institutionnelle dans le pays. Il estime la population pas besoin vérité seulement sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Non, mais tout, il a besoin de lumière sur massacre qui fait dans le quartier populaire, avec l'assassinat qui fait sous des Montakou, journaliste Diego Charles, Antoinette Duclair, avec l'autre monde encore. Alors, je ne veux dire, nous connaissons SDP sous pouvoir avec Ariel Henry, et nous, ouais, par rien qui a fait dans le domaine ça, tout crime qui était fait, la justice, et sous décision gouvernement de facto, il y a associé à l'IA prend, après deux journées de retraite sous côté des Acadiens, et pour mettre campé un comité pour organiser le carnaval 2022, dirigeant SDP a déclaré préoccupation, n'a cité, peuple, c'est pas carnaval, c'est plutôt insécurité. Il dénonçait premier ministre de facto à Liel qui continuait à violer l'accord 11 septembre. Non. L'accord, on sait rien pour le poule. Et n'attendez déclaration depuis hier matin. Bien, c'est un suspect qui a assassiné Jovenel Moïse, John Joel Joseph, arrêté dans le pays Jamaïque. Ancien sénateur John Joel Joseph, qui indexé dans la planification assassinat feu président Jovenel Moïse, aurait été arrêté ce samedi à la Jamaïque. Eh bien, ancien sénateur qui t'a recherché par les forces de l'ordre de la police haïtienne quelques jours après meurtre ancien président dans résidence privée à Pèlerin 5 et le 7 juillet 2021. Et bien, selon première information, John Joel Joel et Joseph lui-même, lui serait arrêté sur demande formelle du FBI. Et bien, c'est FBI qui mandait pour arrêter John Joel Joseph, autorité dans le pays Jamaïque, annoncé yo arrêté John Joel Joseph sous territoire yo. N'a pas rappelé ancien parlementaire, c'est youn suspect qu'en assassinat Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Selon Miami Herald, John Joel Joseph est trouvé dans prison actuellement là, dans
pays et Jamaïque. Et bien monsieur là, yo gen temps fermé en dedans et prison. Et bien après que la police jamaïcaine tout yo annoncé que ancien sénateur John George Joseph l'était arrêté en compagnie de trois autres haïtiens dans en communauté rurale dans Jamaïque côté que le tab vive dans Ano et l'anonymat que le tab vive en Bachal. Et bien il serait arrêté en Jamaïque et bien lui-même pour te arriver dans pays Jamaïque et bien c'est par bateau. C'est dans le mois de décembre 2021, selon certaines sources, et qui a fait information, parce que John Joel Joseph, j'ai que nous douli, c'est dans le mois de décembre, nous ne savons pas combien de décembre, mais c'est dans le mois de décembre, et bien, monsieur là, il est allé vivre dans une communauté rurale, dans un petit quartier, en dehors, c'est là, lui-même, il est allé vivre, et bien, la police, les mêmes, et au niveau de Jamaïque, qui est arrivé, mettez, et met, et sous, et monsieur ça, qui est John Joel Joseph, qui accusé dans le cadre de la mort président Jovenel Moïse. Information yo selon déclaration autorité jamaïcaine John Joel Joseph et yo li pat arrêté seul et bien était accompagné avec trois monde et puis tous monde sa yo yo arrêté yo et bien samedi a et bien monsieur là dans Jamaïque depuis en décembre il tape vivre par il est venu Jamaïque par voie maritime a indiqué dans bateau il est venu et bien c'est information ça censé à particulier et bien sous et ancien sénateur et John Joel Joseph gagné réaction qui tombait tout gagné Claude Joseph qui lui-même qui dit que il réjouit parce que il est effort international là à enclencher comme chancelier et puis comme premier ministre et qui continue porter et fouiller mais arrestation John Joel Joseph l'a montré et que pas gagné cachette pour monde qui impliqué yo et non et de près ou bien de loin sous assassinat et président Jovenel et Moïse et bien Abdouke Claude Joseph qui dit que et bien li content à chaque fois que yo arrêté monsieur Sayo et bien yo fait commencer à marier yo ancien PM Claude Joseph qui dit que il réjouit et du fait que li wè effort international là tandis que dans le pays d'Haïti nous pas senti pièce et faut qui a fait et bien nan quatre dossier si là gagne tout et réaction qui est tombée gagne et gens que nous t'ai douli gagne responsable la police dans Kingston qui c'est monsieur M.R.Admiral Adley qui Lewin qui déclarait que gagne en pile appel régulier et puis transfert irrégulier avec forte somme en pile l'argent qui a effectué au nom de Joseph John Joel Joseph et bien il dit que John Joel Joseph il gagne deux passes avec fausse identité en complicité avec rodinité de l'État. Il dit que gros nèg dans l'État haïtien, eh bien, il y a monsieur deux et passeport qui gagne faux identité, eh bien, tout ça, il y a fait en complicité. Eh bien, ça fait que Winkembeli, c'est parce qu'il y a un transfert qui a fait en pile gros l'argent, qui a fait sous nom John Joel Joseph. Et puis, monsieur, c'est en complicité avec autorité, ok, et fait monsieur qu'il gagne deux passeports. Et sous nom, sous identité, c'est complicité avec rodinité dans l'État haïtien, et bien, parce que, il y a quelqu'un pour qu'on connaisse qui est yes dans l'État, ça, qui est by John Joel CF, passeport ça pour lui être capable de circuler, et bien, Jacques Ndouli, c'est dans le mois de décembre 2021. Monsieur quitter Haïti, puisque nous connaissons que monsieur Sénèque Jacques Mel, puisque Jacques Mel tout près, ensemble avec Jamaïque, eh bien, il y a c'est là. Eh bien, gens que nous avons gardé, eh bien, parce que les amis, nous avons fait bon TV, eh bien, nous avons une image, côté que nous mari, monsieur, deux bras d'air, eh bien, nous avons arrêté, nous avons gardé pour nous, et la police, au niveau de, et Jamaïque qui est censé arrêter ancien sénateur qui lui-même qui la minute que n'a pas parlé là et Jimmy monsieur est en prison et bien au niveau de Jamaïque gagné madame Martine Moïse et qui dit que un suspect de plus a été appréhendé c'est une opportunité et de plus pour que lumière soit faite sur assassinat Marie Moins en Haïti chez n'importe côté que et monsieur Sarom yo caché. Eh bien, il y a de poursuivre, eh bien, pour que tout le monde qui est au même commanditaire, et puis, auteur de crime capuliste, a eu même, il est capable de punir, eh bien, madame Martine Moïse, eh bien, madame président, qui lui-même, et qui fait sortir ensuite là, côté que lui-même, et lui réagit. Et faut donc que, au niveau de l'autorité dans le pays d'Haïti, nous connaissons que, dans le cadre d'assassinat, le président Jovenel Moïse, il y a un mandat, et qui est ancien commissaire Bedford de Claude, lui-même, lui, t'es fait sortir, il y a Liné Balthazar, qui était président
et parti PHTK que nous avons impliqué, qui est mandat pour lui, DCPJ, et bien sûr, assassinat et tentative d'assassinat et président de la République là, et Jovenel Moïse, et bien nous connaissons que il y a mandat pour Lini Baltazar qui est lui-même, il a accusé lui dans le cadre de la mort président Jovenel Moïse. N'a pas gagné tout Alain et Farah, et bien DCPJ qui lui-même qui a mandat. Et dans le cadre d'assassinat et puis vol armé et sous et président République là Jovenel Moïse et bien n'a pas que et mandat ça yo depuis 9 juillet il était fait mandat ça et bien en plus le monde pour que j'entende parler de et monsieur ça qui est nous capable montrer photo après d'elle parce que nous souvent parler de et auteur intellectuel ça yo nous souvent parler de Dimitri Vob de Reginald Boulos et John Joel Joseph nous tous souvent entendre non ça mais et Farah ça non pas pas gen moun ki vraiment tande parler de li et pourtant c'est un monde qui est important dans l'homme président mesdames messieurs nous pral moto image là parce que pas oublier nous même channel nous a fait bon TV objectif nous c'est main investigation pour